Alors, Laurent Barra a des choses à vous dire, Julie Gayet. Ah. Oui, Julie Gayet, faire une chronique sur vous est un événement dans la vie d'un jeune chroniqueur comme moi. Non, jeune n'est peut-être pas le mot. Je savais que j'allais trop là-dessus. Voilà. Voilà. Quand j'ai su... bien tenté. J'ai 42 ans. Quand j'ai su que c'était moi qui allais écrire un papier sur vous, j'ai de suite appelé mon grand-père de 96 ans pour lui annoncer la bonne nouvelle. Formidable, mon chéri. De quoi vas-tu lui parler? Oui, Julie Gayet, mon grand-père est le sosie vocal du grand Schtroumpf. Alors, papy, je vais lui parler de cinéma. C'est une grande comédienne. Et bien évidemment, je vais lui parler de féminisme. De fémi quoi? Ah bah ouais. Oui, veuillez excuser mon grand-père, Julie Gayet. C'est un homme charmant, mais qui, comme beaucoup d'hommes, souvent hélas plus jeunes que lui, n'a pas été sensibilisé au féminisme. Ce qui, pendant des années, a été une source de conflit avec ma grand-mère, qui, elle, était une grande féministe. Féministe. Ouais. D'ailleurs, féminisme. D'ailleurs, c'est sûrement grave. Il parle pas bien français, excusez-le. Voilà, merci. Sinon, tu fais comme ma mère, comme elle sait jamais dire optimiste ou optimisme, elle s'arrête au S, elle dit optimiste. Quelqu'un veut des chouquettes? Voilà. Des chouquettes. C'est sûrement grâce oui, à une baguette. Roger Hanin, Navarro. C'est sûrement grâce à l'influence qu'elle a eue sur moi que j'en suis devenu un aujourd'hui de féministe. À l'écoute de la femme, dans le respect de la femme, fervent militant de l'égalité homme-femme et chose très étonnante malgré toutes ses qualités évidentes, sans femme. C'est donc avec beaucoup d'excitation que j'ai eu la chance de passer la journée d'hier à vos côtés. Alors, pas de malentendu, je voulais juste dire que je vous ai lu. Écoutez, regardez. Et j'ai même eu la chance de voir le film Polly. En avant-première, on m'avait envoyé le lien dans lequel vous interprétez Louise, une mère divorcée, une femme libre à la féminité assumée. Dans les années 60, pas vraiment prête à cela. Une femme qui, en quelque sorte, vous ressemble beaucoup. À vos côtés, le dimanche est passé beaucoup trop vite. Du coup, j'ai terminé ma chronique très tard. Mes chers compatriotes, il est 21h. Le marchand de sable va passer. Bonne nuit, à demain. Et oui, je me suis endormi serein, avec l'espoir un peu fou que grâce, entre autres, à vous, vos films, vos productions, votre prise de parole, dans un avenir proche, plus aucun homme, même le plus adorable des papis, ne pourra dire le fémi quoi.